Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Cine TV. Nous sommes ici aujourd'hui dans la prestigieuse école Lucie Leclerc pour la célébration de leur première arbre de Noël. Nous vous laissons donc sur la cérémonie. Chers parents, chers professeurs, chers enseignants, chers enseignantes, chers élèves, au nom de la tutelle, la direction nationale de l'institution Lucie Leclerc, je suis très honoré pour donc organiser aujourd'hui cette fête qu'on peut appeler fête de fin d'année, ou bien communément appelée au niveau donc du préscolaire, goûter partagé, ou bien goûter de Noël. Mais comme nous sommes dans quatre cycles, préscolaire, élémentaire, moyen et secondaire, la fête a été élargie à tout le monde. Raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde est là, à part quelques exceptions. L'institution Lucie Leclerc, comme vous le savez, est un établissement qui s'étend du préscolaire à la terminale. Elle date de 1998 et existe à Dakar, à Norfoy, à Almadi. C'est cette année seulement qu'ils ont voulu élargir leurs activités en ouvrant dans chaque capitale régionale un établissement. Et pour Spatik, comme vous le savez, c'est le site que nous avons aujourd'hui. Et je suis la donc tête de cette institution du secret SIN ou bien FATIC. Les élèves, parce que sont peu nombreux, certes, parce que nous avons démarré tardivement. Mais pour vous dire que n'eût été l'engagement des professeurs, l'engagement des enseignantes que je salue au passage, au niveau du préscolaire, nous avons Madame Ndong, nous avons Madame Ngom. Au niveau de l'élémentaire, nous avons Binta Ndiaye et Bara Nias, Madame Ndong, qui ne cessent d'œuvrer pour que les élèves, quand même, réussissent. Et les élèves ont compris ce message qu'en entrant à Lucie Leclerc, on y entre pour quelque chose, pour un objectif, la réussite. Et nous ne cessons de répéter cela quotidiennement. Les professeurs, comme l'administration, je ne cesse de répéter ça aux élèves pour qu'ils sachent que les parents ont investi sur eux. Aujourd'hui, l'investissement au niveau des enfants est une chose très importante. Par conséquent, vous, élèves, comprenez cela et pensez maintenant à travailler ardemment. Parce qu'au bout de l'effort, vous trouverez donc le succès. C'est pourquoi nous sommes là. Rappelez-vous que vos parents donne chaque mois 15 000 francs comme frais d'inscription, comme mois de scolarité. Mais pour cette année, ça ne couvre même pas le quart donc des dépenses de l'école. Par conséquent, l'école, l'institution au niveau national, réinvestit chaque mois pour combler les déficits liés maintenant aux charges. Il faut que les parents comprennent ça également. C'est la première année. C'est le moment donc de balbutiement, il faut qu'il y ait des ratés ou bien donc des couacs. Mais nous essayons de gérer ça pour être à la hauteur. Nous avons un surveillant général que vous n'avez pas vu aujourd'hui. Mais comprenez que il est aujourd'hui sur la route de Velingara. Pourquoi? Il a servi à Velingara comme professeur de PS. Arrivé là-bas, il n'y a pas de terrain. C'est lui qui a débroussaillé un grand espace pour en faire un terrain de sport. Pour vous dire, elle, aujourd'hui, à Velingara, toutes les manifestations populaires sont organisées au niveau de ce terrain, après terrain bon. Alors qu'il a quitté là-bas depuis 20 ans. Demain, samedi, le maire va inaugurer le terrain parce qu'on en a fait un terrain multifonctionnel. Et on a appelé Bob pour lui demander même de venir afin qu'on officialise le nom Bob pour le terrain qui porte son nom. Par conséquent, ça c'est un honneur pour tous les enseignants que nous sommes. C'est un honneur pour les enseignants parce que Bob est devenu immortel. Et c'est rare d'avoir des cadeaux de ce genre de son vivant. Souvent les gens attendent la mort, après la mort pour maintenant rendre hommage à quelqu'un. Mais heureusement,
à Velingara, ils n'ont pas oublié M. Pop. Et ce matin, ils voulaient être là avec vous, partager avec vous cette journée, cette fête. Mais Dieu l'a voulu autrement et il est aujourd'hui sur la route de Velingara. Nous souhaitons bon voyage et bon vent. Et nous également, par ma voix, nous transmettons toutes nos félicitations et nos encouragements. Et souhaitons également que cela soit un exemple pour tout le monde. Je remercie également la tutelle, parce que c'est elle qui a donc l'initiative d'élargir cette fête-là à tous les cycles, mais aussi à mettre la main à la poche aussi pour nous accompagner dans l'organisation de cette fête. La tutelle, donc, je la remercie au nom de tout le monde, des parents, des élèves, également du personnel. Mesdames, Messieurs, vraiment Nyoko Ndial. Chers professeurs, chers camarades élèves, bonjour. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour partager ces moments de joie pour notre goûter de Noël. Avant tout, je souhaiterais féliciter notre très cher directeur qui ne ménage aucun effort pour la bonne marche de cette institution qui a ouvert ses portes cette année même. Les professeurs aussi et les encadreurs veillent au bon déroulement des cours et vraiment, ils instaurent un climat propice à l'excellence et à la production de bons résultats. Je ne pourrais terminer sans vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce très prometteuse. Merci et bonne journée. Vraiment, parce que nous avons eu un peu directeur. Parce que nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu un peu de temps. Vraiment, nous avons eu un peu de temps. Xamnañ ci mom lu bari lo xamantene ci lu rafet motax ñun ñepp parents d'élèves yi inshallah ñu ñëw jël suñu yi dom denk ko école Leclerc vraiment ñu ngi leen ci sante bu baax di leen gëreem te gis nañ résultat yi nga xamantene gis nañ ko ci xalé yi parce que suñu dom nekkuñ woon fi école bi mi ngi dogay ubbi amna fenen fu ñu nekkon mais liñ gis ci ñom inshallah amnañ ci ñom yaakar gu re vraiment cadeau gi du guddou waye ñu cadeau ngeureum la dal ak sante diko sante bu baax vraiment école bi ma sha Allah ba monsieur les principaux d'établissement monsieur le secrétaire général chers parents d'élèves chers collègues et personnel sup à terme de l'institut Lycée Leclerc mesdames messieurs chers parents d'élèves, à cette occasion, au nom du personnel de l'institution, il m'a été donné l'honneur de prononcer ces quelques mots de bienvenue à ce bon monde ici présent, assez petit en nombre mais très riche en qualité. Certes, nous sommes ensemble ce matin pour fêter avec vos enfants, nos enfants, Noël. Et qui plus est, leur montrer combien intéressés par leur avenir, leur bien-être, nous sommes. Soyez-en remerciés, chers parents. Sachez que la confiance que vous avez en nous va droit au cœur, raison pour laquelle nous osons vous garantir la réussite de ces bouts de bois de Dieu. Avec l'aide de notre dévoué directeur des études, M. Cheikh Tidiane Niang. Il y croit et nous y croyons aussi. Maintenant, à nos chers enfants et neveux, soyez conscients des efforts fournis par vos aimables et infatigables parents pour mener à bien votre carrière d'apprenant. Aidez vos parents à vous aider. À nos candidats au BAC et au BFM, un grand défi est devant vous. Osez le relever en nous donnant une réussite de 100% au BAC et au BFM. Salam alaikum. 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 Sal
poupée. Mon trésor est caché dedans. Je ne connais pas l'endroit, mais un peu de courage le fera trouver. Premier vote sans défaut, dès qu'on aura ses nous. Creuser, fouiller, pêcher, ne lui fait nulle part où la main ne passe et repasse. Le père mort, les enfants vous fouillent le champ. De ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en emporte d'argent pour le cacher. Mais le père fut sage de le montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de la Fontaine. Ah. Tous les poulons le won, balouignou le misal. Gada di koy kam del de glo loue soude de nena le zoi nena le zoarul nena le zoi nena le zoarul. Vous dites que d'adi gum, voilà qui se règne wow, qui se fait l'air, dégue voir le cot, jungle le chibir, d'où les poulons, ringa gum, koi, les oi, nena les wahul. Nous voici arrivés à terme de cette cérémonie. Bien sûr, une cérémonie très riche en animation. Il n'y a pas de doute, les élèves ont bien su lier l'utile et l'agréable. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous quelque part ailleurs avec d'autres informations. CineTV, la télévision qui vous informe en temps réel. Merci. Actualité sur CineTV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur CineTV Sénégal. CineTV, partout dans le monde. Mais man, mangi content lol aussi nak. C'est le Niofi, pas c'est le TV. C'est une télé. Il y a 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 une télé. Regardez CineTV au Sénégal, mon frère. CineTV Sénégal. CineTV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Faté mingi dundé dé, mais informe du point de vue communication. CineTV ngi def lu mu ci ayeb. Ne serait-ce que pour ça, rek warna tax ba ñu jappalé len bu baax ndax ñu mëna créer pourquoi pas une télévision régionale. Té defena lolu sax moy sen mbébét.
nous avons une télévision privée régionale pour la télé. Moi, personnellement, je vous conseille de regarder Cintv TV au Sénégal. Salam alaikum, Bok Sénégal. Je retour à Cintv. Je suis Michel Perlo from Moscou. Je passe ma dream Cintv. Je suis à Cintv. Je suis à Cintv. Je suis à Cintv.